أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام عليكم tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, remise en place numéro 1. Il y a trop de choses à voir, j'attends juste que les intervenants soient dans la place pour cette remise en place. Il est où le frère? C'est qui veut intervenir? Islam Union. C'est qui ça, Islam Union? Accepté. On va accepter. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ça va bien? Bon, attends deux secondes. Hein. On va juste attendre le frère Abdallah. Je ne sais pas où il est. Vous m'entendez? Moi, je t'entends bien, en tout cas. Ok. Bon, c'est pas grave, Frère Abdallah n'est pas là. On va introduire avant qu'il arrive. Donc, petit récapitulatif des faits. Pour que ceux qui ne connaissent pas le contexte soient au courant. Alors, il y a un frère, il m'a envoyé la story d'une sœur. La sœur, dans sa story, en grosso modo, elle se plaignait des frères qui, lorsqu'ils viennent se marier, sont insistants pour payer une dot pas trop chère. Ils ont dit des dots à 1 euro. Moi, je pense pas que ça existe vraiment, mais apparemment. Et les frères étaient insistants parce que eux, toute leur vie, quoi, depuis qu'ils ont la capacité financière de pouvoir aider leurs parents, ils aident leurs parents. En payant les loyers de ces derniers. Donc la sœur, elle dit qu'en gros, ils sont fatigués de ce genre de frères qui viennent se marier en n'ayant pas d'argent de côté. En gros, le fait d'aider leurs parents, ça les a empêchés de mettre de l'argent de côté. J'ai mis ça sur mon Insta et j'ai fait un sondage. J'ai demandé aux gens qui étaient d'accord avec elle. Et subhanallah, ça m'a étonné dans ce sondage, 67% des sœurs, elles étaient d'accord. Franchement, ça m'a étonné grave. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Salam alaikum, frérot. Ça va ou quoi? Comme ça, là, pour toi, là. Donc, je suis en train de faire un récapitulatif des faits. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai mentionné le fait que voilà la sœur, le message, j'ai posté le message dans ma story, etc. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que s'en est suivi des messages, des gens qui ont commenté. Et donc 67% des sœurs, elles étaient d'accord avec ça. Et moi, j'ai dit franchement, les sœurs de mon Insta, les sœurs qui suivent, franchement, ça fait peur que 67% des femmes puissent être d'accord avec cela. Bon, peut-être que dans ceux qui ont voté, il y avait des hommes, mais la plupart des personnes, c'était des femmes. Après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un message, franchement, moi, qui m'a abasourdi. C'est une sœur. Elle est venue, elle a dit oui, moi, je suis totalement d'accord avec le poste de la sœur congolaise, la compatriote d'Abdallah. Elle a dit qu'elle était totalement d'accord avec ça. Et elle disait que
il est hors de question, hein, elle a dit ça mot pour mot, que je me marie avec un frère qui prend en charge le loyer de ses parents. C'est pas aux enfants de prendre en charge les parents, mais bien le contraire. Et donc ça, c'est à peu près son message. Donc moi, c'est des propos qui m'ont vraiment choqué. Et donc après ça, donc on a parlé de beaucoup de sujets. Ça a parlé de la dot. Donc moi, j'ai fait une analogie entre les femmes et les voitures. Et les femmes, elles ont commencé à dire oui, t'es un misogyne, tu parles mal des femmes, etc., etc. On va revenir sur tout ça. Là, pour l'instant, je suis juste en train de faire un rappel des faits. Donc on m'a targué de misogyne. Et puis voilà, après, il n'y a eu que des débats, ça a débattu de toute cette semaine, pratiquement, ça a parlé de ça. Tantôt des sœurs qui n'étaient pas d'accord avec ces sœurs-là, tantôt des sœurs qui étaient d'accord avec ces sœurs-là. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire un live où on va parler de tous ces sujets. Hein, donc au sujet du jour, on va parler donc de la dot. Les soi-disant dotes à 1 euro, parce que moi, j'arrive pas vraiment à les croire, mais apparemment, ils disent que c'est vrai. Qu'est-ce que l'islam nous dit sur le sujet de la dot? On va parler de la place des parents, parce qu'en l'occurrence, on se rend compte que certaines sœurs, elles n'ont pas vraiment compris la place des parents dans notre religion. On va parler également, malheureusement, de l'islamo-féminisme, parce que également, parmi les sujets qui sont venus les jours précédents, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui dans notre religion, il y a une propagande à cause de l'islamo-féminisme, parce que malheureusement, beaucoup de sœurs, elles adhèrent au fait que l'homme, il se doit de partager les tâches ménagères avec la femme à 50-50. Donc, on va parler de tous ces sujets-là. La première chose sur laquelle on va déjà revenir, c'est quant au fait que... On va parler quoi? On parle de l'islamo-féminisme ou déjà du fait que je sois misogyne? On commence par quoi, d'après toi? Déjà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala Rasoulillah. Moi, je voulais, par rapport au sujet d'aujourd'hui, moi d'abord, je voulais qu'on pose certaines règles. Quoi. Le problème, c'est que c'est un sujet, comme tu as dit, qui est attardé. Il y a des litiges entre les croyants, entre les croyants, entre des croyants et des croyants. Alors, c'est vrai, nous, voilà, je pense que les gens qui nous connaissent, maintenant, ils commencent à nous connaître. Ils savent très bien que nous, on aime bien avoir une petite sauce d'humour. Les gilets pare-balles, quand on dit ce sujet-là, c'est une petite nuance d'humour. On aime bien le second degré. C'est notre côté africain et de surcroît notre côté bantou. Donc, rassurez-vous. Après, effectivement, nous, on a été choqués. Effectivement, il y a des choses à régler. On va pas passer par quatre chemins. Moi, j'aurais aimé établir une règle. Moi, j'aurais établi une règle. Comme ça, aujourd'hui, on va essayer de prendre de la science. On va essayer de prendre quelque chose de profitable. Voilà. Voilà, ici, en Égypte, là, il y a les petits frères, là, les petits amoureux du Coran, ils sont venus nous rejoindre. Ils sont venus un petit peu pour apprendre. Et ils veulent profiter de ça. Moi, la règle que j'aimerais faire, et c'est ce que je demande à mes sœurs, c'est votre frère qui vous implore, il demande cette chose-là. Aujourd'hui, et je veux demander l'assistance d'un de mes petits frères là, c'est que il y a sourate An-Nisa, il y a sourate les femmes. Voilà, on a un litige entre nous. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les femmes qui sont présentes, celles qui froncent les sourcils quand elles entendent Mohamed Lamy, qui froncent encore plus les sourcils quand elles entendent Abdullah Al-Hanif. Vous prenez votre Coran avec vous, là, et à chaque fois qu'on va citer sourate An-Nisa, ça c'est la sourate les femmes, c'est la sourate, ma sœur, Allah te la dédie. Chaque fois que tu vas ouvrir ton Coran, tu vas lire le verset, tu vas noter. Comme ça, après, on va méditer tous ensemble. Et donc, la règle d'abord que je veux prendre dans sourate An-Nisa. C'est le petit frère, tu vas le citer, tu prends la sourate 4 au verset 59. Comme ça, on va profiter. C'est mieux ou c'est pas mieux, Mohamed Lamine? C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. C'est mieux.
prends la sourate 4, verset 59. Il y a des petits frères ici, là, les amoureux du Coran, ils sont venus. C'est des jeunes frères, ils sont venus pour apprendre un peu, pour s'enrichir du ilm, pas s'enrichir pour la dot. Les pauvres, peut-être, ils ne vont pas trouver de travail. Ah mais toi, tu commences à lancer. Vas-y, Mohamed. Tu peux lire directement en français, si tu veux. Il y a une soeur qui... Excuse-moi, avant que tu rentres, il y a une soeur qui veut rentrer, là. Peut-être à laquelle je dois dire. Mais les soeurs, écran noir, où on ne voit pas les soeurs, s'il vous plaît. Écran noir où on ne voit pas. Bismillah, mon frère. La soeur, écran noir. Sinon, on va vous voir. Sourate 4, verset 50. Vous faites attention de ne pas filmer pour qu'on ne vous voie pas. Vas-y, bismillah. Attention, parce qu'on peut voir des gens. Ouais, vas-y. Ok, vas-y, sourate 4, verset 50. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleures interprétations. Ok, dans la sourate 4, verset 59, Allah il dit ça, tu prends la sourate 4, verset 65, après on va laisser la parole. Sourate 4, verset 59, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que lorsque les croyants, ils ont un titre, on remet le jugement à Allah et son messager. Si on croit au jour du jugement dernier. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Dans la sourate 4, verset 65, Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants en qui longtemps. Ils ne pourront demander de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ceux que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à toi. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Le jugement de nos disputes, on le donne. Après Allah, on donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on ne sera jamais réellement croyant. Allah, il remet notre croyance en cause. On ne sera jamais réellement croyant tant qu'on ne met pas d'angoisse dans ça et qu'on se soumette. Donc, Inch'Allah, ce soir-là, si on est dans l'erreur, on va se soumettre. On plie le genou devant le Coran et la Sunna. Aujourd'hui, c'est le Coran qui va parler et c'est les hadiths là. Comme ça, on ne va pas trop ramener des philosophies un peu de partout. Ici, c'est les sunnites. Si on est musulman, on va ramener les hadiths là avec le Coran et la Sunna. C'est la règle que j'aimerais. Voilà, c'est cette règle. C'est ce que je demande à mes... C'est dans la sourate An-Nisa. Hein. Sourate les soeurs, femmes. Dites-nous si vous êtes prêtes. Les frères, tous ceux qui sont... Dites-nous si vous êtes prêts. Moi, je suis prêt, en tout cas. Si j'ai tort aujourd'hui, je me soumets. Moi, je suis prêt. Devant les caméras. On plie. Voilà, on plie. Là, les versets sont là. Sourate An-Nisa, on a donné le verset 59, je répète. Sourate 4, verset 59. Sourate 4, verset 65. Il y en a d'autres. Hein. Mais comme j'ai dit, comme c'est les femmes qui sont à l'honneur, on reste dans leur sourate. Hein, sourate An-Nisa. Pas de donne. Et il va lire encore? C'est bon. Deux versets, donc, ok, donc alhamdoulilah, donc les frères, il a posé les bases. Donc comme vous l'avez entendu, on se doit tous de revenir au Coran et à la Sunna. Donc pour revenir à moi, Mohamed Lamine, ce qui m'a été reproché, donc les gens ont dit que je suis un misogyne. Et pourquoi? Donc je rappelle les faits. Lorsque l'on parle des dots, moi, j'ai dit, il y a des femmes, en fait, il y a beaucoup de sœurs, lorsqu'elles viennent témoigner, elles disent, vous, les frères, vous n'avez pas de scrupules à mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous acheter une voiture. Vous achetez des voitures, des Clio 3, des Clio 4, à 2, 3 000, 4 000 euros. Et lorsqu'on vous dit de mettre de l'argent pour la dot, vous ne voulez pas mettre ce montant pour la dot, vous ne voulez pas. Donc à la base, ce sont les femmes elles-mêmes, les femmes qui viennent commenter, ce sont elles-mêmes qui ont fait une analogie entre elles et les voitures. C'est pas moi, hein, c'est elles. Hein. Lorsque moi j'ai repris cette analogie et que j'ai dit, mais la voiture, on lui donne le prix qu'elle mérite. Si la voiture... c'est une voiture qui fonctionne bien, qui roule bien, etc. On met le prix. Mais si c'est une voiture bancale, soit on ne met pas le prix, soit on va lui donner le prix que sa voiture elle mérite. Les femmes, elles m'ont dit, oui, tu es un misogyne, tu compares les femmes à un objet.
Alors moi, je vais prendre un verset du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans ce verset du Coran, Fa'tu harsakum anna shi'tum. Allah Azza wa Jalla dit Nisa'ukum harsun lakum Fa'tu harsakum anna shi'tum. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce verset du Coran, vos femmes sont un champ de labour pour vous, allez à votre champ de labour comme vous le désirez. Ici, Allah Azza wa Jalla a fait une analogie entre la femme et le champ de labour. Allah Azza wa Jalla a fait une analogie entre une femme et un champ de labour. Bon, maintenant, qui ici parmi vous, il va mal parler d'Allah Azza wa Jalla parce qu'Allah Azza wa Jalla a fait l'analogie entre la femme et un champ de labour. Qui que celui qui peut se lever ici et dire cela, qu'il le fasse. Sachant Allah que, Azza wa Jalla, attention, il y a une sœur à la... sachant qu'il y a une sœur, elle a demandé, oui, on est d'accord avec les versets, si elle tafsire le char, tout ça, on va même donner le char de ce verset. Ce verset, il est en corrélation avec un hadith, quand il y avait les gens de Médine qui étaient habitués à faire certaines pratiques sexuelles, que les gens de la Mecque, lorsqu'ils sont venus, ils ont entendu que les gens de Médine faisaient ça, et les Juifs leur ont dit, mais si vous faites cette pratique sexuelle de cette manière-là, eh ben alors, vos enfants, ils vont sortir déformés. Et alors, ils sont partis voir le prophète, alayhi salam, et c'est là que le prophète a descendu le verset. C'est là qu'il a descendu le verset. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset. Le verset que tu as cité, il est dans la sourate al-Baqarah, au verset 223. Bon, voilà maintenant, si vous voulez un autre verset, Allah Azzawajal, il dit, « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ». Il dit, vos femmes sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Allah Azza wa Jalla, encore, il a fait une analogie entre la femme et le verset. Ça résonne, là, depuis que tu es rentré, frère. Salam. Ok, walaikum salam. Ouais, mon téléphone, il déconne un petit peu. Non, mais c'était parce que je voulais juste revenir et vraiment, je vous écoute, hein, juste parce qu'on ne peut pas poser la question directement. Je voulais dire, comme vous avez dit, il ne faut pas jouer avec le Torah. En fait, moi, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, il faut que tu leur dises quand même. C'est la réponse que tu leur as donnée. Entre le verset que tu as donné, qui est un verset factuel, il n'y a aucune femme qui va débattre sur le fait que Dieu le compare à un champ de labour. Et je pense que cette métaphore est très vaste. On peut l'explorer. Mais ce que toi, tu leur réponds, même s'il y a beaucoup d'humour, c'est à ça qu'on doit faire attention, nous, les hommes. Donc moi, je comprends totalement pourquoi ils ont dit que ta réponse était misogyne. C'était juste pour ça. Tu peux pas dire, parce que regarde, ce que tu as répondu, c'est qu'on achète la valeur d'une voiture au prix qu'elle vaut. Sous-entendu, si la femme vaut 1 euro, eh ben on va l'acheter 1 euro, en gros. On va attends. C'est ça que ça veut dire. On allait y venir. On allait y venir aussi. Parce que déjà, à la base, c'est les femmes elles-mêmes. Avec le champ de labour. Ah non, pas du tout, parce qu'à la base, c'est les femmes elles-mêmes qui se sont comparées avec les voitures. Mais je crois parce que c'est ce elles. Ben si, elle disait, ben si, j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. La femme, elle disait que nous, en gros, on mérite mieux qu'un euro, etc., etc. Donc j'aurais dit la dot aussi. L'homme, il peut donner la dot au mérite, en fonction de ce que la femme, elle mérite. Par rapport à la valeur de la femme. Donc tu maintiens ton Par rapport. Mais bien sûr. Ça veut dire que par rapport à la valeur. Mais bien sûr. Mais bien sûr que je maintiens mon propos. Ouais, ça va. Mais je vais te donner des dalils. On a tout préparé. Ce que je te dis là, je ne prends pas de moi. Mohamed Amin, déjà, je ne sais pas pourquoi ça résonne. C'est ma faute, je vais descendre. C'est le frère. Je laisse développer. Je vais descendre, c'est mon téléphone qui descend. D'accord, je vais te répondre au mérite. Juste, que la dot, elle peut être donnée au mérite. Mohamed Amin, juste pour frère, pour te dire une chose, juste avant que tu descendes, pour te dire une chose, c'est que. Il y a des sœurs qui elles-mêmes disent moi je connais ma valeur. Une fois il y a une sœur, elle est venue me poser une question. Elle m'a dit il y a un frère, il veut m'épouser. Elle a dit moi je lui ai demandé une dot à 4 ou 5 chiffres, etc. Après elle m'a dit mais le frère il trouve que c'est trop, etc. J'ai dit si tu penses que toi tu veux cela, il n'y a pas de problème. La sœur m'a dit bien sûr. Elle m'a dit moi je me suis jamais marié, j'ai jamais aucun homme ne m'a touché, j'ai fait un doctorat, bac plus 8, etc. etc. Elle m'a dit moi je sais ce que je veux. Ça veut dire que les femmes elles-mêmes, parfois, elles estiment leur dot par rapport à ce qu'elles valent. Il y a une sorte tout à l'heure, j'ai posté un post
Une soeur tout à l'heure, elle est venue, elle a dit quoi? Elle a dit, moi, je ne parle pas avec les hommes à partir d'un chèque, etc., 4 ou 5 chiffres. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, quand ça les arrange, elles le font. Et il y a des paroles de savants aussi que je veux ramener, que j'ai noté ici, qui disaient que parfois, tu peux donner la dot au mérite. C'est-à-dire qu'elles, qui les ont dérangées, les sœurs, c'est pas que j'ai dit que tu... Bon, certaines sœurs, elles ont mal pris le fait que je dis que la dot peut être donnée au mérite. Et d'autres, elles ont mal pris le fait que... Voilà, à la valeur. Pour moi, ce qui... Non, ouais, excuse-moi, vas-y. Mmh. Et donc certaines femmes, elles ont mal pris ça. Et ouais, d'autres... Mohamed Amin, en fait, le sujet... Excuse-moi, mon frère, ça résonne. Est-ce que tu peux sortir et revenir après? Non, je vais descendre, je vous écoute, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Ok. Ce que je voulais dire... Désolé, c'est j'écris... Excusez-moi, c'est écrit. En fait, ce que je voulais dire, à la base, déjà, il faut qu'on revienne à ce que tu as dit. À la base, tu n'as pas comparé une voiture à la femme, c'est pas ça. Bah oui, c'est exactement ça. On va faire. Attends, on va expliquer. On va appeler ça. On va faire du fiqh al-lora, de la jurisprudence de la langue. À la base, toi, tu as fait ce qu'on appelle une analogie. C'est-à-dire que, à partir d'une pensée d'idée qui concerne la femme, tu as transposé et tu as mis la même pensée d'idée pour une transaction de quelque chose, à savoir une voiture. On appelle ça une analogie. Le verset qui a été cité, que tu as cité dans Sourate al-Baqarah au verset 223 et celui avec les vêtements toujours dans Sourate al-Baqarah au verset 187, ça, c'est une analogie, mais c'est une autre forme d'analogie. C'est encore plus profond. Il y a une sœur qui a dit, ouais, mais non, mais il faut comprendre mieux le verset. Non, tu vas regarder le verset, regarde-le même en arabe. Hein, vos femmes sont pour vous un champ de labour. Le sens qu'on doit dire en français, c'est que ça s'appelle une allégorie. C'est-à-dire que Mohamed Lamine a fait une analogie. Allah, dans ce verset, fait une analogie plus précisément qu'on appelle une allégorie. C'est ça. Moi, je vais donner un troisième exemple. Et avec les trois exemples, on va faire ce qu'on appelle une syllogie. Comme ça, on va faire la jurisprudence de la langue. C'est-à-dire que quand tu as les mêmes pensées d'idées, tu arrives à une conclusion, et ben alors finalement tu vas donner la même conclusion à quelqu'un. Moi je prends le hadith d'après Abdullah ibn Omar, où le prophète alayhi salatu wassalam, il te dit chaque berger est responsable de son troupeau. L'homme est le berger de sa famille. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait quoi? Il a fait une allégorie, il a fait une analogie. Du même type que Mohamed Lamine, il a pris comme analogie les femmes, la famille, comme des moutons. Est-ce qu'on m'entend bien? Comme des moutons. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle un synonyme. Synonyme, ça ne veut pas dire qu'une femme ressemble à une voiture, une femme ressemble à un mouton. Non, c'est que l'allégorie, c'est que comme le berger, il est responsable des moutons, l'homme aussi est responsable de la femme. C'est ça. De la même manière que Mohamed Lamine, quand il a parlé de la voiture, de même qu'une voiture, on évalue selon sa valeur quand on sort l'argent, de la même manière, on va le faire pour une femme. Et ça, on va montrer les hadiths là. Si ça dérange, c'est pas de problème, on va ramener les hadiths. Mais juste pour dire que c'est exactement le même procédé. C'est pour ça que je dis que c'est ça. Ce que je suis en train de faire, c'est une syllogie. Si vous considérez que le fait de faire ce procédé, c'est la misogynie, alors vous accusez Allah subhanahu wa ta'ala d'être misogyne et vous accusez le prophète alayhi salatu wassalam d'être misogyne. Mais des exemples comme ça dans le Coran, dans la Sunna, il y en a plein. Un jour, il y a un homme, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wasallam. Il lui dit, cet homme, il était noir, il était blanc. Sa femme, elle a accouché d'un enfant noir. Il dit au prophète, ma femme, elle a accouché d'un enfant, mais l'enfant, il est noir. Ce moment-là, il était étonné. En fait, lui, il voulait, par cela, peut-être dire que l'enfant, il n'est pas de lui. Le prophète, il a dit, est-ce que tu as des chameaux? L'homme, il a dit, oui, j'ai des chameaux. Et lorsque l'homme dit, oui, j'ai des chameaux, etc., il dit, est-ce que ça arrive que lorsque tu as des chameaux, à cause des ascendants qu'ils avaient, il y a un chameau qui sort d'une couleur différente. L'homme, il a dit oui. Mais il a dit, c'est pareil pour ton fils. Il se peut que les ascendants qu'il avait, il y en avait un parmi eux qui était noir. Allah kulli hal.
Ici, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une analogie quoi avec les animaux. On va dire quoi? Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Vous voyez où on va en venir? À la base, c'est les sœurs elles-mêmes qui se sont comparées avec ça. Donc, c'était pas du tout dans le but de descendre la femme. Où je voulais en venir, c'est que autant la femme, elle peut fixer son prix parce que la femme, il y a beaucoup de sœurs qui viennent et qui se disent, moi, je veux telle ou telle ou telle chose. Mais l'homme, il peut aussi dire, écoute, moi, je veux te donner la dot par rapport à ce que moi, je vois que tu peux mériter ou pas. Et attendez, ça, je vais vous le dire. Ça, parce que je l'ai écrit là. Chez plusieurs salafs, je l'ai écrit ici, dans le livre de Ibn Qudama, tu vois, il a rapporté que la dot, elle peut être donnée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la femme, elle est mariée pour quatre choses. Pour sa beauté, pour son rang familial, pour son argent et pour sa religiosité. Et les savants, ils disent que de par ce hadith, plus la femme elle sera belle, par exemple, plus on pourra augmenter la valeur de la dot. Plus elle pourra augmenter la valeur de sa dot. Plus sa femme elle sera pieuse, plus elle pourra augmenter la valeur de la dot. Donc, bien sûr, faut parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Reste, papa, Mohamed Amin. Pardon, Mohamed. Sourate 4, verset 25. On a dit qu'on va rester avec le Coran. On sourate 4, verset 25. Explique, on va ramener le verset. Parce qu'en fait, le problème qui se passe, comme je l'ai dit, le problème qui se passe, il se passe quoi? En fait, le problème, il y a plusieurs problèmes dans ça. Le problème, c'est que toi, tu as parlé, tu as fait une analogie, et par rapport à ton analogie, déjà, ça veut dire qu'on a considéré que ce que tu as fait, tu as porté atteinte à toutes les femmes. C'est-à-dire, regarde ce qui se passe. Et regarde, c'est ça que moi, je trouve assez étonnant. Le problème, et ça, c'est un concept féministe, c'est un concept féministe, on appelle ça le masculinisme. On appelle ça le masculinisme. Je vais donner, je vais expliquer ça. On appelle ça le masculinisme. C'est-à-dire, dans le masculinisme, chez les concepts féministes, et ça peut être fait par nos sœurs, consciemment comme inconsciemment, c'est-à-dire qu'on va donner ce concept pour dire à nos sœurs, aux femmes, que tous les maux de la terre, pour l'homme, ça provient de la femme. Et c'est pour ça que de temps en temps, tu vas voir chez nos sœurs, quand on va dire certaines choses qui ne vont pas chez certaines sœurs, ils vont dire « vous attaquez toujours la femme ». Pourtant, nous, on ne dit pas « la femme ». On dit « des sœurs », mais elles se sentent concernées et elles disent « vous attaquez la femme ». Ça, c'est un concept féministe de « c'est-à-dire qu'on fait une association de femmes, on s'allie tous, solidarité féminine, pour qu'on arrête de nous attaquer. C'est de la défensive automatique. J'avais dit quoi, le verset sourate 4, verset 25. Dis-moi ce verset. Mais augmente-la. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître. Et donnez-leur un marque convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non esclaves mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, mais ça serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ok, Taïb, dans ce verset, dans Sourate 4, verset 25, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te parler du châtiment et il va te donner, par exemple, aux esclaves, quand elles font zina, elles ont la moitié des châtiments de celles qui sont libres. Parce que c'était des esclaves, les esclaves à la base, dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les esclaves, il y en avait beaucoup qui faisaient zina par rapport à leur situation, tout ça. Donc, à la base, par rapport à ce fait-là, alors alors on va te dire que le châtiment, il est à moitié. Quand on parle dans ce verset, on va aussi te dire par rapport à la dot que tu vas donner à la femme, même si elle n'est pas libre. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit pas libre, Allah subhanahu wa ta'ala, pour défendre cette femme-là, il appuie, et ça, tu prends les Mufassirun, tu prends l'imam Tabari, tu prends Ibn Kathir, et j'en passe, il appuie que tu dois donner une dot convenable. Pourquoi? Parce que comme elle est esclave, sa valeur est moins élevée que celle qui est libre. Et ça, vous regardez tout les Mufassirun.
C'est bon? C'est bon, Mohamed Amin? On a ramené le Coran, c'est bon? Pour moi, après, pour elle, je ne sais sourate pas. Sourate Nisa, c'est la sourate les femmes. Sourate les femmes. Celle qui n'est pas d'accord, elle peut monter. Moi voilà, je me dis, je me soumets. Moi, je dis, je me soumets. Moi, j'ai entendu, moi, pour moi, les gens, ils veulent me faire passer Mohamed Amin pour un misogyne, alors que moi, subhanallah, j'essaie de défendre les femmes toujours. Qui veut monter là? Il y a une soeur qui veut monter, mais s'il vous plaît, cachez les visages, s'il vous plaît. Ne mettez pas dans les problèmes. Surtout que t'as pas, surtout que nous, on est, surtout que pour celles qui sont amnésiques, pour certaines soeurs qui seraient amnésiques, on avait fait un live où on disait que non, la femme, on doit la doter à sa juste valeur, on l'a dit. C'est ça, en fait, le toupet. Le toupet, il est là parce que on nous avait dit, on t'avait questionné, oui, je demande une dot élevée, est-ce que c'est mauvais? Et là, et nous, on a été les premiers à dire non, tu as trouvé dans ton droit de donner une dot consécutive. Et on a même parlé des traditions. On a même dit que si, par exemple, chez nous, chez les Bantous, voilà, il y a la dot pour la famille et il y a la dot islamique, tu payes les deux. On l'a dit. Mais bizarrement, quoi. Ouais. C'est malheureux, on ne retient pas toutes nos paroles. Salam alaikum, la sœur. Wa alaikum salam, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Wa alaikum salam, on t'entend. Ok, en fait, moi, je suis montée. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein, parce que moi, tout ce que vous dites, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Attends, excuse-moi, ma soeur. Excuse-moi. Eh, depuis tout à l'heure, il y a un frère, il est là, on ne lui a même pas donné la parole. Mon frère, excuse-moi. Prends la parole, c'est ouais, quelque chose à dire. Excuse-moi, depuis tout à l'heure, il est là, on ne lui a même pas donné la parole. Excuse-moi, ma soeur. On fait d'abord passer le frère parce qu'il était là avant, après, on t'écoute. Bismillah, mon frère. Ouais, pas de souci. Ouais, vous m'entendez, là? Ouais, attends, excuse-moi mon frère, j'avais très silencieux à la Mabarek. J'avais oublié que tu étais là. Bismillah, frère, dis-nous. Moi, je vous souviens depuis tout à l'heure, donc j'ai aimé sur les sujets dont vous abordez, vous voyez. Et en fait, moi, j'avais une question, en fait. C'est sur la dot, en fait. Par exemple, nous, en culture sunnite, bah, y a la dot pour la femme et aussi pour la famille. Et en fait, est-ce qu'on peut... Vous en pensez quoi de négocier les dots, en fait, les montants de la dot? En fait, on a répondu à ça, frère. On a répondu là, on avait répondu la dernière fois, je te récapitule. On avait dit qu'à la base, le but du mariage, c'est d'agrandir une famille. On va récapituler ce qu'on a dit. Le live, il est là. Le live, il est sur YouTube. Tout est déjà enregistré. Comme ça, on ne va pas nous accuser de mentir. Ce qu'on avait dit, on avait dit qu'à la base, selon la capacité de la personne, et ça, par exemple, si la famille de ta prétendante, elle tient à avoir ce qu'on appelle une dot traditionnelle, tu vois, par exemple, chez nous au Congo, on appelle ça le kangal ou pango, tu fermes la porte de la maison, c'est bien de le faire. C'est-à-dire, c'est bien de le faire. On l'a dit, ça. C'est-à-dire que tu payes la dot islamique et tu payes la dot traditionnelle. Parce que c'est pas en opposition avec les préceptes islamiques. Ça, on l'avait dit. Notre problème, il n'est pas dans le prix. Parce que de temps en temps, je vois, c'est ça le problème, de temps en temps, il y a beaucoup de HS. Le problème, il n'est pas dans le prix. Le problème, il est la raison. Et pourquoi tu parles de ça? C'est-à-dire, tu me dis, un pauvre, ou 1 euro, mais franchement, et tu mets un comparatif avec le fait d'aider la maman. C'est ça qui nous a énervé. C'est que tu lis déjà le problème avec la maman. Maintenant, selon les capacités, nous, on est les premiers à le dire. Que moi, c'est-à-dire, même moi, dans les commentaires, j'ai dit non, même dans le Medhaed Malikit, le fait que tu es dans un endroit où il y a un certain, c'est-à-dire qu'une dot doit avoir un certain niveau. Si tu fais trop bas, tu donnes des, comme tu dis, 1 euro, tout ça, il y a certains avants de David de Foura Maliki qui te disent le mariage, il n'est même pas valable. Exactement, on l'a dit. Exactement. Les gens, ils ne veulent pas prendre toutes nos paroles. Les gens, ils veulent pas prendre toutes nos paroles. Voilà, c'est ça. On l'a dit. Vous validez les autres 1 euro. Moi, j'ai quelque chose à dire après par rapport aux autres 1 euro. Je t'ai fini, après, j'ai quelque chose à dire. Ouais, c'est ça. Continue, mon frère. Mohamed Lamine. Moi, tout ce que je veux savoir, tout ce que je voulais dire, c'est. Par rapport, avant qu'on revienne sur ce sujet, je vais te laisser la parole, frère. On a dit qu'on doit se remettre en question ici. Là, quand on a vu les commentaires, on nous disait, les frères, remettez-vous en question. Là, on a vu, les sœurs, certaines sœurs, hein, je ne dis pas toutes les sœurs, il y a des sœurs qui, et qu'Allah les bénisse, elles ont dit non, il ne faut pas dire ça comme ça. Bon, regardez, ils ont
Certaines sœurs ont dit que notre frère Mohamed Lamine était misogyne. On a ramené quoi ? On a ramené deux versets. Sourate al-Baqarah, verset 223. Sourate al-Baqarah, verset 187. J'ai ramené le hadith rapporté d'après Bukhari ou Muslim. J'ai ramené. C'est-à-dire qu'on a fait, je répète, on a vu trois formes d'analogie. On a fait une syllogie pour dire que si vous nous dites que Mohamed Lamine est misogyne, vous êtes en train d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être misogyne. Donc maintenant, celles qui savent se mettre en question, remettre en question, nous on n'arrive pas. Aidez-nous les sœurs. Montrez-nous comment se remettre en question. Toutes celles qui ont accusé notre frère Mohamed Lamine d'être misogyne, hein, moi j'aimerais bien qu'elles envoient par écrit « Excuse-nous mon frère, on s'est trompé ». Moi j'aimerais bien. Voilà, c'est mieux parce que sinon après ça sera un autre problème. Après je laisse la parole au frère. Parce que dans la sourate 4, verset 112, ici je vous ai dit on parle qu'avec le Coran. Elle monte. Celle qui n'est pas d'accord, elle monte. Je peux dire quelque chose. Le Wallah, ce qui va sortir de ma bouche, je peux déverser coraniques. Vas-y, frère. Bismillah, Bismillah, la sœur. Bismillah. Sourate 4, verset 112. Excuse-moi. Bismillah, pardon, ma sœur, laisse-le réciter, laisse-le dire le verset d'accord. Et attends. Vas-y. Quiconque acquiert une goutte de mon côté à assis de mon pain sera coupable alors d'une injustice ou d'un péché magnifique. Ok, très bien. Donc, Allah, il te dit que quiconque fait une faute ou un péché et qui accuse un innocent, il fait un péché et de faute manifeste. Là, vous avez fait du zoulm sur votre frère Mohamed Lamine qui le vous pire, défend. Encore moi. J'ai cru que, franchement, Mohamed Lamine, j'ai cru que ça allait être moi. Parce que d'habitude, on est toujours fâchés contre moi. Toi, tu mets la carte. Que tu dis non, mais les sœurs, tu vois, d'habitude, ils sont fâchés contre moi. Je me suis dit, mais non, c'est moi qui vais me la manger, ce propos misogyne. Mais c'est toi, tu vois. Donc, alors mes sœurs, remise en question. Je suis un précurseur dans le fait d'aider les sœurs. On a fait des télégrammes, des vidéos, on s'est mis en avant pour aider les sœurs, on nous dit qu'on est des misogynes. Bismillah, ma soeur, bismillah. En fait, moi, ce que j'avais à dire, c'est qu'en fait, on a certains. En fait, vous oubliez qu'on a grandi en Europe. En Europe, là, non. Ça coupe. Moi, vous entendez bien, moi, j'entends pas très bien. Ah, ça coupe. Non, ça coupe. Mon réseau coupe, ma soeur. Alors, ça coupe, mais là, ça coupe encore? Ça coupe ? Ça coupe son réseau. Son réseau, je crois qu'il est. Ouais, son réseau est comme ça. Ah, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Ah, ok. Ouais, c'est bon, on t'entend bien là, c'est bon. Là, c'est bon ? Alhamdoulilah. Donc, ouais, moi, bon. Je disais, n'oubliez pas que les frères, on a grandi en France. Il y a surtout en ce moment-là, il y a une histoire de féministe qui se met dans le monde. C'est un truc de ouf. Donc, faut pas vouloir à ces filles-là peut-être elles ne connaissent pas la religion. Elles viennent, elles parlent comme ça. Donc faut pas leur en vouloir, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Faut pas leur en vouloir, peut-être elles ne connaissent pas. Là vous êtes en train de leur donner des preuves et après elles le sauront par derrière, elles viendront te demander pardon. Tu vois par exemple moi tout ce que tu expliques là, moi je suis pas à fond dans la religion, mais c'est des trucs que je le sais déjà. C'est la base, c'est des trucs que je le sais un peu déjà. Par rapport à après maintenant vous parlez de la dot. Par rapport à la dot, moi je me dis que comme le prophète il a dit salam. Vaut mieux quelqu'un qui est dans la religion que regarder par rapport à l'argent. Je sais pas si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la base des choses en fait. C'est la base. Donc, si après une personne elle veut regarder l'argent par rapport à regarder la religion, bah ça reste son problème, tu vois. Moi je me dis que l'argent ça c'est une histoire, ça vient, ça part. La personne peut avoir de l'argent aujourd'hui et demain ne pas en avoir. Donc si c'est la dot que vous voulez regarder les sœurs, regardez. Moi je vous dis vaut mieux regarder la religion. C'est la base. Après, c'est un conseil que je donne. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est la base. Moi, je veux déjà par rapport aux dots, là. Parce que là, il y a un problème. Les sœurs, les dots. Après, excuse-moi. Excuse-moi, je voulais te poser la question aussi. Hein. La dot, là, quand tu te maries, c'est une obligation. La dot, c'est obligatoire. Est-ce que c'est une obligation de demander forcément de l'argent? Oui, c'est une obligation. Non, pas forcément de l'argent. Pas forcément de l'argent, mais c'est une obligation, la dot. Bon, maintenant, pour parler du sujet de la dot. Mais auparavant, moi, je sais qu'on donnait. Dis-nous.
Auparavant, je sais qu'on donnait quoi, des moutons, des vaches. Mais il n'y avait voilà. pas forcément en fait, d'argent en fait, pour parler. Bah en fait, l'argent la, aujourd'hui, l'argent, en fait, aujourd'hui, pour nous, l'argent, c'est synonyme de billet. Mais avant, l'argent, ce n'était pas forcément synonyme de billet. Parce que l'argent, en fait, c'est un échange. Donc, l'argent, les moutons, ça peut être de l'argent. Si c'était la valeur avec laquelle on commerçait avant. L'argent, c'est un bien. L'argent, ça peut être... si, par exemple, moi, je te donne une voiture contre une maison, ça, c'est un échange de biens. C'était ça, en fait, la dot. La dot, c'est un échange. Il y a Soulaine, elle s'est mariée avec Abu Talha. Il a demandé en mariage. Comme dot, elle a demandé qu'il se convertisse à l'islam. Parce qu'en fait, la dot, c'est une chose que la femme a un bien... que la femme elle va octroyer, et le but de la dot à la base, c'est le fait de faire, c'est le fait que la femme elle obtienne un bien dans son cœur pour qu'elle puisse se sentir d'accord. heureuse. Donc c'est ça veut dire en gros que si, donc ça veut dire que si demain en gros j'ai envie de me marier, c'est à moi d'imposer la dot, c'est pas à mes parents d'imposer la dot. Non, religieusement, c'est à toi d'imposer la dot. Maintenant, d'accord. si tes parents ils ont une tradition, leur tradition c'est que par exemple, une tradition aussi qui reste en juste milieu, mais c'est que le prétendant. Il leur donne, je sais pas moi, 1 000 euros. Il faut faire ces traditions-là. Il faut pas que les gens y viennent, parce que beaucoup de frères, ils disent, oui, ça fait partie de l'islam. L'islam, elle a recommandé de suivre les bonnes traditions. Donc, lorsqu'il y a des bonnes traditions, qui contredisent pas la religion, il faut les faire. Quand les traditions contredisent la religion, il faut pas les faire. Donc, c'est ça le, donc, voilà. Maintenant, après, moi, je voulais en fait, le problème, c'est qu'il faut revenir, la dot, elle a été faite dans quel but? La dot, elle a été faite dans le but de rapprocher les femmes, de rapprocher le prétendant de la prétendante. C'est fait pour faire plaisir à la prétendante. Ça, c'est le but de la dot. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce point-là. Donc, tu vois, quand tu vas donner une dot à ta prétendante, son but est de lui faire, le but de cette dot, c'est de faire plaisir. Maintenant, d'accord. quand on va te parler de donner une dot, on va donner une dot qui est à la valeur de ce qui est dit dans l'endroit où tu es. Par exemple, tu es en France, ou même chez moi, je te donne un peu l'exemple au Congo. Toi, tu vas donner 1 euro de dot, tout le monde va dire, mais il t'a marié pour 1 euro, c'est honteux. Donc, toi, tu sais que ça ne va pas faire plaisir à la prétendante. Alors, le fait que toi, tu dois t'accoutumer de là où tu es. C'est-à-dire, si ça n'a pas de la valeur, normalement, tu prends quelque chose qui a de la valeur. Tu me comprends dans ce que je dis? Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je comprends tout à fait ce que tu ça veux dire. Dire. Et ça veut dire que ce n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément du 4K, comme on dit. Ça veut dire que c'est défini si c'est 4 000. Non. Par exemple, tu vas, dans certaines cultures, une belle robe, et si tu vois, par exemple, tu vas au Tibet, une belle robe est synonyme que tu veux dire que tu veux l'honorer autant extérieurement que intérieurement. Et donc, dans l'endroit où t'es, si c'est de la valeur, toi, tu vas lui acheter une belle robe. Tu vois? C'est dans ce sens-là. Dans le temps, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils étaient dans une époque où la révélation, elle descendait, les gens, ils voulaient s'imprégner de la parole d'Allah, les gens qui n'avaient pas d'argent, ils vont donner une valeur qui, pour eux, à leurs yeux, c'est l'équivalent et ça dépasse même l'argent. À savoir, vas-y, je lui apprends telle sourate. Ouais, ben ça, c'est beaucoup. Et dans l'endroit où tu es avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde va dire, ah ouais, il va permettre à cette femme de pouvoir jouir et si tu veux, s'imprégner de la parole d'Allah. Donc ça dépend de l'endroit où tu es. Donc c'est pas forcément, ouais, l'argent. Donc ce que tu veux me dire, c'est qu'en gros, par exemple, si un homme vient vouloir moi me marier, si je prétends que moi, ce soit un bon musulman que je sais qui va m'apporter des choses, je peux prendre ça comme dot. Si tu veux prendre quoi? Bah, ce qu'il peut m'apprendre, en fait. Je peux l'apprendre comme dot, c'est ce que je suis en train de me bien dire. Sûr. Là. Oui, bien tu sûr. Peux demander une sourate, ça, tout ça. Bien maintenant, sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, maintenant, si dans ta famille, par exemple, ouais, les gens, de l'argent. Tu sais que ça va être mal vu. Ils vont dire, il t'a même pas acheté une bague, il t'a pas notre truc. Bah, non, lui, pour éviter cette chose et pour faire plaisir à la famille, il va t'acheter une bague. Mais le but de tout ça, c'est qu'il y ait une entente familiale. C'est pas que tu mets la difficulté envers le prétendant. Et il est là le problème, tu vois. C'est la raison et l'intention qu'il y a derrière. Franchement, les frères, je vous remercie. Vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui.
Il n'y a pas de problème. Alors, c'est qui, ma soeur? Mais il y a un truc dans les commentaires, une sœur qui dit quelque chose depuis tout à l'heure, et il faut impérativement enlever cette ambiguïté très très vite avant que tout le monde prenne cette ambiguïté. Elle dit la dot est une sécurité si le mari meurt. Et ça, dire ça, c'est une ineptie totale. Ineptie totale parce que il y a des compagnons, il y a une compagnonne, elle a accepté de se marier, elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme, il avait une paire de sandales, d'accord, le hadith, là je l'ai, l'homme, il avait une paire de sandales, et il l'a marié pour une paire de sandales. Donc, quand vous dites déjà, la dot c'est une sécurité... Pour très peu, franchement les filles... Très peu, donc les soeurs, quand vous dites la dot c'est une sécurité, une paire de sandales, depuis quand c'est une sécurité? Bah, ça. C'est pas une sécurité. La dot, c'est pas fait pour être une sécurité. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas demandé que la dot, elle soit le moindre possible. C'est donc, ça, dot, c'est exactement. C'est uniquement une sécurité. Ceux qui disent que faut pas être opportuniste comme ça et carriériste. Mm-hmm. Faut pas penser que la dot, c'est une sécurité. La dot, c'est pas une sécurité. Et puis même, ça, c'est une et puis même comme a dit un commentaire, regarde le commentaire, il est machallah. Il dit une sécurité. En quoi 1000 euros ou 4000 euros, ce sera une sécurité? J'avoue. Exactement. Aucune. Exactement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Beaucoup, ils sont là, ils rigotent, dot à 1 euro, même pas un pack d'eau. Mes frères et sœurs, il faut que, comme on l'a dit au début, restons pragmatiques, revenons au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. La religion, elle n'a pas donné de montant maximum et de montant minimum pour la dot. Il y a parce des. Je termine, elle s'est mariée pour des sandales. Ça se trouve que ces sandales, elles valaient moins qu'un euro. Parce qu'il y a des pays où un euro, c'est. Mais l'homme valait combien? Mais l'homme qu'elle a marié valait combien? C'est ça la chose. Merci, mon c'est frère. C'est ça qu'il faut regarder. Il est venu avec l'autre. C'est ça qu'il faut regarder. Bah oui, c'est carrément. Ça qu'il faut regarder. Vous parlez toujours dot à 1 euro. Une femme, elle peut demander 10 000 euros. Comme elle peut demander 1 euro. Regardez la personne avec qui elle s'est mariée. Ne négligez pas l'homme. Un homme, il peut peut-être donner pas beaucoup d'argent. Les sahaba, un homme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sahabi. C'est un homme qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme qu'Allah a ajouté, il a agréé. Il avait rien du tout pour se marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cherche. Ali radiallahu anhu, promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu se marier avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien du tout. Donc les sœurs, regardez la personne, regardez pas l'argent avec eux. En fait, les sœurs, elles ne comprennent pas. Regarde, en fait, quand on dit ça, il y a des sœurs, elles croient qu'on est en train de faire la promo pour qu'on marie des sœurs à 1 euro. C'est ça le problème. C'est là la compréhension. Parce que la vie, je peux parler. Allez là-bas, avec vous 1 euro. Le problème, on va répéter. Je vais répéter. Voilà, je vais répéter. Après, parce que je t'ai dit aujourd'hui, si on parle de féminisme, on va parler de ça. Il commence à dire que la sœur qui est là, elle est naïve. Wally, je suis pas naïve. Elle, tiens. Non, mais regarde. Mais si, regardez, je sais. Attends, excuse-moi, je vais juste parler. Je suis pas naïve. Hein. Mais à un moment donné, moi, je vais vous poser les questions, les sœurs. Wally, moi, je préfère un homme qui va me ramener au paradis. Et que en fait, d'ici bas, là, j'ai rien du tout. Et que demain, je me le retrouve au paradis avec lui, qu'aujourd'hui, j'ai tout ce que je veux sur Terre, et que demain, je me retrouve en enfer. Hein. Moi, c'est le choix qu'on vous donne, là, les sœurs. Hein. C'est pas trop parler. C'est deux choix qu'on vous donne. Soit le mari, il n'a rien du tout d'ici-bas. Voilà, moi, je préfère choisir quelqu'un qui n'aura rien du tout d'ici-bas. Hein. Mais je sais qu'il va me ramener beaucoup plus pour aller avec lui au paradis que le contraire. Hein. C'est pas histoire de naïveté. Hein. Moi, je suis désolée. Moi, je vous le dis ça. Ah, ouais. Non, mais quand tu suis les. C'est pas la naïveté, c'est même pas de la réalité. Faut qu'on réédite ce qui a été dit. Nous, on le répète. Je le répète encore une fois. Et peut-être que celles, ils vont dire ouais, ils répètent, ils croient qu'on est idiotes. Ça, c'est encore un concept féministe. On appelle ça le mansplaining. On va parler de ça tout à l'heure. Moi, ce que je suis en train de dire, qu'à la base, on a dit, nous ne sommes pas d'accord dans des endroits où c'est mal vu que toi, tu donnes une dot de 1 euro. On l'a dit. Bon, là, on l'a dit. Il y a des lives avant, vous ne voulez pas l'entendre.
Je répète encore une deuxième fois. Je veux répéter. On dit, tu es dans un endroit, par exemple, comme la France. C'est mal vu pour de donner 1 euro de dot. Tu ne le fais pas. Et j'ai cité l'avis du Med'ad Malikit. J'ai dit, chez les Malikites, tu fais ça, ton mariage peut être déclaré caduc. T'as pas compris ce que je veux dire, mais est-ce que les gens, ils entendent? C'est bon? Voilà. Maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est la pensée qu'il y a derrière. Terrible. C'est-à-dire que dans ta tête, ma sœur, tu te dis, si je me suis, il m'a marié pour 1 euro, il m'a pas respecté. En fait, c'est ça le problème. C'est que toi, dans ta tête, tu te dis que te marier pour 1 euro, c'est rabaissant. C'est rabaissant. Mais si la personne, elle n'a pas les moyens, moi, je ne te parle pas de quelqu'un qui a les moyens. Quelqu'un qui a les moyens et que lui, il peut te mettre bien. Mais pourquoi il ne va pas le faire? Il est majeur s'il ne le fait pas. Bien sûr qu'il doit le faire. Attends, là, comment j'ai posé une question? Parce que normalement, quand on divorce, là, non, dans la religion musulmane, j'ai pas envie de me tromper. Hein. Tu me dis si je me trompe pas. La femme ne doit pas rembourser la dot par hasard ou c'est faux? Non, ça dépend. C'est si c'est elle qui demande le divorce. Si elle demande la séparation. C'est si elle demande la séparation. D'accord. Donc maintenant, ma soeur, si tu as marié avec 10 000 euros et que toi, tu demandes la séparation, tu vas rembourser les 10 000 euros? Non, bonne question. La question que j'ai posée. Moi, je ne pourrais même pas lui rembourser cet argent-là parce que peut-être je ne l'aurais pas. Après, mais ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Pas sûr, en derrière. Elle pense pas à ça. Bon, ma soeur, il y a deux gens qui veulent rentrer, donc je vais te faire descendre. Vas-y, je vais partir, il n'y a pas de souci. À la prochaine, Inch'Allah. En tout cas. Salam alaikum. Salut, Akhouna Ziyad, que va l'hal? Salam alaikum, frérot, j'espère que vous allez bien. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Frérot, bismillah, on va entendre ton point de vue. Donc là, c'est Ajib. Mohamed Ali, voilà, c'est Ajib. J'ai dit non, on ne dit pas. Il dit, vous êtes bancal, vous dites qu'on marie pour un euro. Je vais faire entrer Mioum. Mioum, préparez-vous à rentrer. Homme ou femme, je ne sais pas, mais préparez-vous. Ok, alors, déjà dans un premier temps, pour par rapport au frère Mohamed Lamine, comme quoi c'est un misogyne, etc., etc., il y a, je ne sais pas si tu t'en souviens, frérot, il a intervenu dans un truc par rapport à moi pour défendre une sœur. Voilà, donc ça, déjà, premièrement, je sais, moi, il y a beaucoup de frères, ils auraient dit calcule là pas, machin, que si t'en as un machin. Lui, il est venu me rentrer dedans direct comme un camion. Bah, arrive pas, c'est pas comme ça, nanani, nanana, tatati, tatata, il y a des choses à faire, c'est pas comme ça, etc., etc. Donc déjà, premièrement, ça c'est un premier point. Donc, faut pas dire des choses quand on sait pas. Voilà, donc on va rétablir l'honneur du frère. Donc quand vous savez pas, vous parlez pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, par rapport au sujet lui-même, pour moi, il y a à boire et à manger dans cette histoire de fixer de dot élevé, pas élevé, etc. En fait, le moment où tu comprends ça, en tant qu'homme, hein, moi je parle en tant qu'homme, c'est quand tu as des filles à charge. Ça, c'est autre chose. Par exemple, quand tu éduques ta fille ou tes filles d'une éducation, on va dire, au top du top, une instruction au top du top, que ta fille, elle sait se valoriser, personne n'a jamais chez tout, elle a toujours été correcte, honnête, humble, sincère, qu'elle craint Allah Azza wa Jalla, etc., etc. T'as quelqu'un qui vient et dit 20 euros. Toi, tu dis, en fait, moi, tout ce que j'ai appris à ma fille, etc., en fait, ma fille, elle vaut 20 balles. C'est-à-dire que moi, on va dire, je sais pas, moi, ma fille, je l'ai jusqu'à ses 25 ans chez moi, c'est-à-dire pendant 25 ans, tout ce que j'ai fait, moi, ça vaut 20 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense comme ça. Après, peut-être je me trompe. C'est très bien pensé. Tu as tout à fait raison, il l'a dit. Il a donné la parole d'Ibn Khudama pour te dire la valeur. Il a raison. Il l'a dit. Plein de savants, ils voient qu'une femme qui n'a jamais été mariée, qui n'a pas d'enfant, etc., après, elle est restée chez toi, tu lui as pris le Coran, etc. Parce que moi, c'est ce que je dis dans le live. Dans mes stories, j'ai dit, malheureusement, beaucoup, elles vont te demander des dots 4, 5, 6 chiffres. Mais tu demandes au Coran où tu en es, il n'y a pas grand-chose.
religieusement, etc. Sur plein de trucs, il n'y a pas grand-chose. Mais au final, pourquoi tu vas mettre autant d'argent, etc., tu vois? Parce qu'il faut savoir que la dot aussi, c'est un investissement pour l'homme, tu vois. Il faut qu'il ait c'est un investissement, disons-le clairement. C'est que tu as investi, tu espères avoir retour sur investissement de ce que tu vas donner. Non, mais c'est ça. Moi, personnellement, franchement, l'éducation que je donne à ma fille et à la fille de mon épouse, hein, parce qu'elle a plus son père, moi, je me dis plus tard, d'elle-même, elle lui dit, vas-y, moi, je te demande 20 euros, je lui mets une baffe devant lui, tu vois, direct. Je rigole même pas, tu vois. Non, mais après, je lui dis, vas-y, bon, toi, rentre chez toi, reviens plus tard. Et je vais la mettre à l'amende sur le coup, je vais lui dire, t'es sérieux, j'ai passé mon temps à t'apprendre ça. Comment dire, on a financé tes études, et tu viens, tu dis à la personne, moi je veux 20 balles parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce que machin, tu vois, c'est quoi ton délire, tu vois. Donc il y a ça, maintenant il y a votre partie, c'est en fait, ça moi j'ai pas trop bien compris dans le fait que toi, Mohamed Gamine, tu disais que, comment est-ce qu'on peut être sûr. Par exemple, hein. Ouais. Écoute. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être sûr de la personne qu'on a en face? Par exemple, tu peux aussi tomber sur des belles arnaques, on est d'accord, tu vois. Tu peux tomber côté homme comme côté femme. C'est ça le truc, parce que on parle souvent des femmes, parce que j'en parlais avec ma femme juste avant de monter sur le live. C'est que la femme aussi. Par exemple, si elle vient, elle dit à l'homme, moi, je te demande, on va dire, 4000 euros. Voilà, on va donner un chiffre comme ça. Je te demande 4000 euros. Tu vois? Mais c'est aussi en fonction des questions qu'elle lui a posées. Par exemple, est-ce que toi, je sais pas, moi, t'as déjà fait Zina? Est-ce que toi, t'as déjà eu des rapports? Est-ce que toi, t'as déjà des enfants? Tu sais, faut regarder l'état aussi de l'homme à qui tu vas demander ça, on est d'accord? Bien sûr. Tu vois, s'il est dans un bon état physique. Tu vois, s'il est dans un bon état psychologique, s'il est dans un, tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi le truc. Mais ça, c'est pas par rapport à la dot, mon frère, parce que si le gars, comme tu dis, psychologique, il est éclaté, c'est pas question de dot, tu te maries pas avec lui, tu cours. Mais le problème, en fait, tu vois, le truc, moi, j'ai compris ce que tu veux dire, mais en fait, regarde, nous, on est d'accord qu'il faut donner la valeur à la femme. Mm. On le répète, on est d'accord. Tu donnes de la valeur à la femme. Le 1 euro ici en France ou d'un truc, bien sûr, on va dire non. On va dire non. Tu ne fais pas ça, bien entendu. Maintenant, comme je répète, il y a la cause, la pourquoi on donne la dot. On donne la dot, c'est pour faire plaisir à la famille. Regarde, je vais donner un exemple. Tu prends le compagnon Julaybib. Julaybib, le prophète Mohammed, Julaybib, il était pauvre. Il ne savait même pas. Ça veut dire, il ne savait pas ses origines. Il ne savait pas de quelle tribu il appartenait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est marié avec une noble de Médine. La noble de Médine, le père, il a demandé une dot élevée. Ouais. Il a demandé une dot élevée. Elle a dit, moi j'accepte, c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, c'est un pauvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande à une riche noble de Médine. Alors je te pose une question. Attends, frère, c'est pour répondre. Quand t'es pauvre, tu peux pas te marier. C'est aberrant de dire ça. Voilà, c'est aberrant. Grave. Parce que le prophète Sallam, il était pauvre. C'est aberrant. C'est exactement. Voilà, c'est aberrant. Pour te dire, le prophète Sallam, il a le père de celle que Julaybib, il voulait épouser, il a demandé une dot extrêmement élevée. Qu'est-ce qu'on fait les habitants de Médine, à savoir les compagnons? Il savait que c'était une recommandation du prophétique. La femme voulait se marier avec lui parce qu'elle s'est dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le recommande, c'est que les vertus qu'il a, elles sont extrêmement bonnes. Tous les sahaba, ils se sont cotisés pour payer la dot. Voilà. Ça veut dire, regarde, les sahaba, ils ont pris une partie. Ils ont pris un peu, ils ont pris là-bas, et c'est le prophète qui a dit à Julaybib, va demander un tel, et le but, il a été accédé, c'est-à-dire que la femme, elle a eu de la valeur. Mais maintenant, la question que je veux poser, attends, Mohamed Amine, je pose la question, et les sœurs, elles vont réfléchir pour elles. On prend tout de suite, ça va couper, on prend tout de suite.